parfois, sometimes in life, c'est un jour à la fois, pas vrai? C'est pas, we don't have to worry about tomorrow. But sometimes we need God's strength only for today. So we're gonna sing wholeheartedly, one day at a time. Father, we do thank you again
for being able to wake up this morning and come in a place of worship to adore you. We don't want to take anything for granted. But we believe you, Father, as you have called us to gather together to praise and worship you, Father. We want to do it willingly. Father, prepare our hearts for such a time. Prepare our hearts, Father, to just worship you, love you, admire you, glorify your name. We thank you for all that you have done this past week in our lives. We thank you, O Lord, for the things that we did see and those also we have not seen. Pray, O Lord, as your people would gather around your throne, Father, you would just bless. You would just communicate to us your word. You would just draw our hearts to you in real worship. We praise you, we bless you, we thank you, Father. In the name of your beloved Son, the Lord Jesus Christ, amen. Amen. Let us read the word of God that we'll find in Psalm 1. Amen. Amen. Oh, the joy of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. But not the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly, for the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. We will also read in French. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'Assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Moi
conscient, ou bon pour moi, moi reconnais, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi, moi reconnais, ou bon pour moi. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans ta miséricorde, triompher du jugement, triompher de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans ta miséricorde, triompher du jugement, triompher de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans ton amour. Si ou emba l'hôpital, si yon question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si ou emba éternel, c'est en question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si ou aime pas nos prisons, c'est en question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si m'kage résidence, c'est en question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si m'kage yon paycheck, c'est une question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si moi qu'a voyagé, c'est une question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si moi qu'a gagné un visa, c'est une question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Si m'ka gesen garçon, c'est une question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Sou m'ka diplômé, c'est une question de grâce, grâce ou grâce, grand grâce. Moi ouais, bon Dieu, en place qui piro, la prenye sous trône. Vie, ouais ouais bon Dieu, ouais bon Dieu, nan place qui pivro, la prenier sous toute la vie, ouais bon Dieu, nan place qui pivro, la prenier sous toute la vie, bon Dieu, bon Dieu. Ouais, bon Dieu. La vie. Ouais, bon Dieu. Ouais, bon Dieu. Dans place du bureau, la prenez sous trône. La vie. Bon Dieu, où? Bon Dieu, où? Bon Dieu, où? Jésus-Christ, waprenez sous trône la vie. Saint-Esprit, waprenez sous trône la vie. Bon Dieu,
Good morning again to all of you. Bonjour à tout le monde. We are so glad you can be part of our worship service wherever you are. Et nous réellement contents qu'on capable prendre part à notre service d'adoration ce matin avec It is always a joy to know that you are part of what we do. C'est une joie pour nous connaître que ou même tout à participer avec nous. And thank you for doing that. Et merci beaucoup du fait qu'on capable là avec nous. We're going to speak to you today from 2 Timothy chapter 3. Nous allons parler avec vous aujourd'hui de 2 Timothée chapitre 3. From time to time, we are called to make sure we address certain current issues. Et de temps en temps, nous rappeler pour nous capables réellement adresser certaines situations dans le monde qui peuvent passer dans le monde. For it is our duty as God's servants. Parce que c'est deux fois nous comme serviteurs bon Dieu to warn God's people, pour nous capables avertir le peuple de Dieu, instruct God's people, et pour nous capables instruire tout, to protect God's people, pour nous capables protéger autour en même temps. And the way we do that, we use God's word. Et de façon que nous faisons, c'est en partageant la parole de Dieu avec nous. Amen. Amen. So let's pray again and ask the Lord's blessing. Et nous allons prier pour demander bon Dieu bénédiction sur ce message. Father, we come to you empty-handed, and we long to hear from you. Lord, your word is true. Your word is our foundation. Your word is our anchor. Father, we ask in your mercies to speak to our hearts, to open our eyes, to give understanding to your people, to realize in which time we are living. Father, please, give us discernment. Give us understanding. Help us, Father, to interpret the sign of times as you want us to, and to live accordingly. We commit our preaching to you today, the word of God. Use us as a tool so that you can communicate your truth to your people and bring them to the place where we need to be, where we need to stand as we face, Father, the challenges of this world, as we go down the path of history, during getting closer to the end times. We thank you, Father, trusting you to answer our prayer, because we pray in Jesus' name. Amen. 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 Again, we want to take the time as well to share with you our building project. Et nous voulons prendre le temps aussi pour nous partager avec vous-même le projet que nous gagnons pour un building. As we know, we embark in our building project for a while now, and we're getting closer to the final step. Et comme on connaît, nous déjà embarqué pour nous capable acheter une place pour adorer, et nous capable dire capable faire des progrès, faire progrès de plus en plus. So we still working on our funding. Et nous toujours à continuer sur le lèvement de fonds qu'on a fait. We're a great deal. We're moving a great deal in the sense with. Taking great steps. Il a fait progrès, un peu de pas, qu'on a avancé de plus en plus. But we have yet to reach our financial goal. Mais nous toujours un petit peu loin de but que nous gagnons. If you are part of our worship service, if you benefit from this ministry, we will encourage you to team up with us. Et si vous faites partie de nous-mêmes, mais aussi vous réellement bénéficiez de services, nous encourageons à venir joindre avec nous-mêmes. So, again, we would love you to be part of what we do. Réellement content pour ta capable de faire partie, participer avec nous dans ce qu'on fait là. And helping us achieving our goal. Et pour capable aider nous réellement rencontrer le grand but qui est devant nous. In securing a building for a church ministry. C'est-à-dire pour capable acheter une place pour nous adorer pour le ministère qui va continuer. Again, we thank you in advance. Et nous remercions à l'avance. For your cooperation. Pour la coopération qu'on fait avec nous. And your generosity towards us. Et votre générosité envers nous-mêmes tout. Thank you. Merci beaucoup. Let's get back to God's word again. Okay, on continue avec la parole de Dieu qu'on y a là.
Interpreting the signs of time. Qui ont interprété les signes du temps. Interpreting the sign of the times. Ils ont interprété le signe des temps. No one can deny that we are living some unusual times. Et pas qu'un monde qui n'a pas ignoré que nous vivons dans un temps réellement qui est un peu spécial. In our present context. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. For sure, we are witnessing some strange events taking place. Et oui, on a fait devant nous des événements réellement étranges dans le Taking place in every segment of our society. Qui a passé dans tout segment de la société. Wherever you look, there are changes. Quel que soit côté, où est des changements qui a fait. Our social, our political, and our religious landscape are changing rapidly. Socialement, religieusement, politiquement, où est un pile changement qui a fait. Indeed, there's a shaking of our world. C'est comme si le monde n'a dit secoué qu'on y est là. Yes, there's a shaking of our society. Les sociétés ont un branle qu'on y est là. That seems to point to the signs of the times. Qui réellement capable de faire ouais, réellement pointer aussi les signes des temps. Amen. Amen. So let's read 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5. Et on a lu 2 Timothée chapitre 3 de 1 à 5. We'd love you to follow with us, okay? Get your Bible to open it to the 2 Timothy chapter 3 and read with us because we want you to see. Suivez-le de près avec nous, on a appelé 2 Timothée chapitre 3 de 1 à 5 et dit amen, là, so attendez. Amen. Amen. Don't just take my word or let me read. Read with me so that you can see where it's coming from. Pas juste prendre un mot cap sur ton bouche, mais suivre avec moi pour capable ouais côté ça absolu. Because your life depends on that. Parce que la vie dépend de ça d'appliya. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verses 1 through 5. 2 Timothée chapitre 3 1 à 5. Paul says, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to the parents, ungrateful, unholy, verse 3, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures, rather than lovers of God. In verse 5, that the last verse. Having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Amen. Et 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5, lisez avec nous. Et sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. In 2 Timothy chapter 3, we just read. Dans 2 Timothée chapitre 3, ça nous pile là. Paul paints a somber picture of the world in the last days. Et Paul a décrit une réellement image très sombre du monde là pendant dans ce temps que la Bible. It is a vivid description of the moral and spiritual decay of our society. C'est une description vivide de d'Acadio là et qui gens que le monde a réellement et d'Acadio là like a decay, putréfaction. La tomber en défaillance. Yes, that's a good word. That's a good word. That's our world. C'est monde ça que la Bible. Paul's picture highlights for us what Jesus calls the sign of the times. Et ça, Paul a parlé là, il y a une vraie description de ça, Jésus a parlé au sujet du signe du temps. Jesus was talking to some Pharisees, he told them, you know how to discern
the sign of heaven, but you don't know how to interpret the sign of the times. Jésus t'a parlé avec des disciples, il dit comme ça que vous connaissez qui Jean pour et réellement ouais les signes des cieux. Mais est-ce qu'on est capable d'écrire tout, est-ce qu'on voit les signes des temps? So it was a clear warning for the Pharisees. C'est-à-dire pour les pharisiens, c'était un avertissement très clair. So Paul starts this teaching with a big headline. Et alors Paul a commencé enseignement ça avec un grand titre. You know when you know any newspaper there's a big headline. Par exemple, un papier journal ou un grand titre. That announces the rest to come. Et capable d'annoncer ça qui va venir. All right, verse 1, that's the headline. Verset 1, c'est premier tes grand titre là. But mark this. There will be terrible times in the last days. Alors, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. So that's a headline. C'est un titre et sujet préparé. And what follows is the description of the that headline. Ça va suivre là, c'est description de grand titre ça que dit bail là. A few things to talk about in a sense. Et quelque chose à en parler Brunia là. In terms of clarification. Pour nous clarifier le très bien pour vous-même. We have some key words in verse 1. Il y a des mots clés dans le verset 1 première. Last days and terrible times. What does that mean? Les derniers jours et aussi des temps difficiles. Ça veut dire. Last days. Simply put, it is the period between the ascension of Christ and his return. That's the last days. Les derniers jours, réellement, ça veut dire que les derniers temps est capable de venir. Yes, like the period between Christ's ascension going to heaven and his return. C'est période que du temps que Jésus est monté sur et dans le ciel et là pour le retourner encore. Amen. Amen. So that's basically the last days. Et c'est ça table dit les derniers jours. So we the church who are living presently the last days. C'est-à-dire que l'église qu'on est en train de vivre dans les derniers temps. And secondly, deuxièmement, he said there will be terrible times. Il dit qu'on se parle de temps difficiles. A time, a period characterized by terrible situations. C'est-à-dire une période de temps qui est caractérisée par des choses réellement drôles. Perilous times. Qui est réellement périlleux, c'est-à-dire dangereux. A dangerous time. C'est dangereux. Times of great evil. C'est-à-dire des temps de grand mal qu'a fait. That's what we're about to see. C'est ça nous pourrions le voir là. As we move toward the end times. Et pendant que n'a pas avancé vers les derniers jours. What Paul is saying is simple. Ça Paul a dit très simple. Men have always been sinful. Et les hommes ont toujours réellement fait péché, des pécheurs. From the Garden of Eden. Et du temps de la de jardin d'Eden. To Sodom and Gomorrah. Avec Sodome et Gomorrhe. The people of Nineveh. Et de Ninive. The people of the time of Christ. Et du temps de Christ. All the way up to now. Jusqu'à ce jour que la Bible. So we have always been sinful in a sense. Nous sommes toujours des pécheurs qui vivent dans le péché. But there's a difference when we talk about the end times. Mais il y a une différence quand on fait parler des derniers jours. And that is. Sinful behaviors will increase in scope and intensity. C'est-à-dire que les bons à vivre dans le temple comme pécheurs l'a augmenté de plus en plus comme vous pouvez le voir. Yes, human wickedness will increase in intensity. La méchanceté, le péché a réellement augmenté et de plus en plus. That will permeate humanity. Everywhere you turn, that's what you will see. Ça pourrait réellement entrer dans toute l'humanité, quel que soit côté regardé. In the past, something may happen somewhere and nobody else knows about it, right? Dans le passé, ou bagarre qui a passé, ou pas jamais entendu ça. But not now. Mais pas aujourd'hui. It will be all over the world. Là, tu vas entendre tout partout dans le monde. All over the place. Tout côté où il est. In the open for everybody to see. Et il est ouvert pour tout le monde capable. That's what we're talking about. C'est ça qu'on parle là. In a sense, Paul paint a bleak and somber outlook of the world. C'est-à-dire que Paul a décrit pour nous une situation sombre du monde. As we go down history. Et pendant que nous n'avons pas réellement avancé dans l'histoire, as we go closer to the end times, pendant que nous avons avancé plus près des derniers temps, things will look darker and somber.
Et bagay yo a bini de plus mal, la plus ténébreux. Things will get worse. Il a bini est réellement mauvais, plus mauvais. Paul didn't have a, I would say, an optimistic view of society. C'est-à-dire que Paul pas de une vue optimiste de la société. Like many people, like many of us embrace today. Comme pile monde yo embrasse aujourd'hui. And about church people. Ma parler de monde qui l'église. Thinking that we can make that world so comfortable, we can live in it for eternity. Pensant que nous capable faire monde ça vivre plus confortable. We call ourselves believers. Oui, nous sommes des chrétiens. But we are earthly bound. Mais jusqu'à présent c'est sur terre là que nous y est. We don't look toward heaven. Vers le ciel. We want to make earth a comfortable place for us to live. Oui, nous voulons faire la terre une place confortable. If this is you, you deceiving yourself. Et si c'est vous-même ça, qui pensez comme ça, eh bien, mettez-vous à vivre dans la déception. Because this is contrary to what God's word says. Parce que c'est contraire à ça, la Bible, la parole de Dieu. So we're going to take a look at two key, characteristic or sign of Paul's teaching today. Et n'importe deux points caractéristiques de ça Paul a parlé aujourd'hui. We about 18 or 19 of them. On a parlé nous avec 18 à 19 là-dedans. So I've been teaching that during Bible study for the past few weeks. J'ai fait étude de cela pendant l'étude biblique nous dans les deux dernières semaines. But for what's concerned us this morning, we're going to touch base on only two key aspects in of the list. Mais ça n'a pas passé aujourd'hui. Nous parlons deux aspects seulement dans toute liste là. The first one will be. Et première partie A, première. Paul says people will be abusive. Et le monde a bien réellement plus d'accabio a fait plus d'abus. Verse 2, let me so that you can see where we are. Verse 2 says people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, and abusive. Et on pourrait dans verset 2, ça dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ok. After proud, boastful, it's abusive. Abusive means really blasphemous. Là, on va parler de du monde qui a abusé, ça qui a passé devant lui, dans ça l'a fait, c'est-à-dire les venir des blasphémeurs, blasphémateurs. Yeah. Exactly. So, what does that mean? Ça, ça veut dire alors? Abusive or blasphemers? Ça veut dire pour que le monde qui a fait abus de sa affaire ou du moins des blasphémateurs qu'il y a. That is people who speak with other disrespect of God. C'est monde qui a parlé avec un pile d'accablure, dérespectant de façon de bon Dieu. People who take God, I would say, trivially. Et moun ka prend bon Dieu réellement à la légère. Who do not really give God due respect and honor. Il pa bay bon Dieu respect qui revenir à lui-même. There are people who trample what we call sacred things. Yo moun ka réellement garder avec comme trivial là, les choses sacrées. I look at our world, the way people talk about God. Regardez dans le monde, où est-ce qu'il y a parlé de bon Dieu? Go to our university to see how professors talk about God. À l'université, tandis que les professeurs parlent de bon Dieu. Very trivial. Eh bien, nous faisons réellement très légère, très drôle. I would say in a sense that degrade the honor and the glory of God. Il y a dégradé l'honneur de Dieu. It means outburst and display of human arrogance. Yo a réellement fait démonstration de arrogance sur Dieu. Our world has become arrogant toward God. Yo arrogant envers bon Dieu, à l'égard de Dieu. In their language, dans langage, in their attitude, dans attitude, the way they live their lives. Chaque jour vivent la vie. They define God's will in a sense. Réellement, yo mettez bon Dieu comme yo a. Sometimes challenge they bon put Dieu. Themselves in God's place. C'est comme si on mettait tête dans la place de Dieu même. That's our society. C'est société ça la vivre là-dedans. A society that degrades the honor of God. Y a dégradé l'honneur de Dieu. Who speak with utter disrespect about God. Y a parlé avec un pile de avec des façon dérespectante de again, Dieu, des choses de Dieu. On what is sacred. Comme si y a piétiné les choses sacrées de Dieu. That's our society. C'est société ça la vivre. Look at everywhere. Regardez pour tout autour de vous. That's what we see. C'est ça ouais. That is an increase and open erosion of reverence and fear of God. C'est pas il parle avec un pile, il y a pas de révérence du tout pour y prier mais pas bon Dieu honneur qu'il mérite. Open erosion is
is disappearing. Et you capable dire une façon réellement arrogant, extrême. That sense of reverence and fear of God. Pas aucune révérence pour le bon Dieu. We're living in a society that has no fear of God whatsoever. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui n'a aucune crainte de Dieu. Beginning with the family unit. So on commence dans la famille. So moving to society. On va aller dans toute société en général. The political world. Le monde politique la même. That's what we see. C'est ça où on voit. The erosion of reverence and fear of God. Une dégradation dans les choses de Dieu. People fear everything else. Yo peur tout l'autre bagage. Except God Himself. Excepté bon Dieu. That's lui-même. Our society. C'est société ça n'a vu là. And Paul calls that a sign of the times. Et Paul relève bagage ça un signe des temps. Yes, of the last days. Ces derniers jours. The second one. Deuxième partie. People will be unholy. C'est-à-dire monde et monde a bien réellement y a pas aucun The last word in verse 2. The last word in verse 2. Dernier verset, alors dernier mot dans verset 2, c'est irreligieux. That's the word. Voilà. People have no sense of in a sense piety. Il n'y a pas aucun sens de piété la caillou. But the key word is unholy. C'est-à-dire pour l'anglais, il dit comme ça et qui pas aucun sainteté, la pureté dans l'anglais. That is a society utterly sinful. C'est-à-dire une société qui réellement pécheresse à total. As I said previously, we have been unholy for eternity, I would say, oui, from since the beginning. Pas right? Aucune sainteté dans le monde, but there's sect. But now you get the sense of Paul teaching. Mais quand y a regardé Jean-Paul a parlé avec sens que il fait pour the increasing of unholy, I would say, of wickedness in the world. C'est une augmentation de la méchanceté dans le monde. The increasing of evil in the world. De la méchanceté, bah, des choses qui mauvais, le péché. Of sinfulness in the world. De la capture. Well, de façon de pécher. Yeah, in a sense that we are becoming utterly sinful. C'est-à-dire que nous sommes devenus de plus en plus pécheurs. Such as the practice of gross immorality everywhere. Pratiquer l'immoralité extrême tout côté au passé. It used to be very restrained, but maybe some part of the world. Des côtés dans le monde qui étaient réellement moins. Not anymore. Mais pas pour aujourd'hui. It's everywhere. On y allait tout côté. That permeates or invades every aspect of our life. Il envahit tout aspect de nos vies qu'on y allait. Everywhere you turn, quelque chose qu'on doit passer, you can see it. Well, not only that, we are living in a society that have no sense of shamefulness. C'est-à-dire qu'on a vécu dans une société côté on a vécu sans aucun honte. And very comfortable with the sinful lifestyle. Et senti comme si senti confortable dans façon y a no shame whatsoever. Rien à honte du tout. And very comfortable. Et you confortable dans in ça. The sinful lifestyle. Dans ça pour you. This week. Et cette semaine même. I receive a text or a message, a video from someone. Et me recevoir une vidéo de quelqu'un. That was shocking. Je pas qui choqué ma pile. I look at it with my eyes really in a sense. I trying to see what's going on, but my eyes did not let me. I could not do it. Et ma pisse regarder lui, mais mettre ça, je pas capable supporter. I got a glimpse of it. Moi chercher une garde tout petit. Because it was too sinful. Parce que les extrêmes méchants et péchés de là-dedans. He was too perverse. Il était réellement pervers. Too degrading. Il dégradant. What is it? Pour qui ça le dit? A group of Haitian people dancing together. Et un groupe de jeunes haïtiennes qui a dansé ensemble. In a party somewhere. Il y a dans une dernière partie ce que tu as fait. We see both men and women. Aussi in that les body, deux sexes avec des filles, people with camera or phone filming, videotaping what's going on. Le monde qui avec caméra yo, avec téléphone yo, a pas enregistré ça qui a passé. He's the key thing. Et voici la clé de ce qui a passé. All the young women that were there, toutes jeunes filles qui étaient là qu'on y a là, were dancing, I would say, quasi nude. Ils tapent dansé presque nu.
They have some clothes, but really that show everything else. Oui, mais Dieu, ça a été gratuit, mais pas Dieu qui était réellement dégradant. I see even some women dancing without underwear. Et là, dans la vidéo, ça m'a regardé, il y a même des jeunes filles qui ont dansé sans même culotte sur eux. Ah, not only that, they were dancing, people were filming them, and some of them, with no shame whatsoever, showing even the faces. Et ils ont dansé, et comme si rien n'était, et en même temps, il y a des gens qui ont regardé sur pas aucun honte de sa voix. For us, coming from our culture, we know who we are, right, in the past. Et nous-mêmes, comme Haïtiens, nous sommes capables de connaître les gens que le passé nous dit, les gens qui nous ont fait. We had certain moral standards, right? C'était des standards moraux que nous avons. Especially for young people, for young women. Spécialement pour des jeunes filles. And imagine now, some young Haitian women. Et imaginons qu'il y a que des jeunes filles haïtiennes. Portraying themselves in this regard. Cap montrer tête dans ces with no shame façon, whatsoever. Sans honte du tout. Showing their faces. Y a gardé à montrer visage clairement. Even the most intimate part of the bodies. Même les côtés les plus intimes de leur corps. What society are we living in right now? Qui société ça n'a vive là dans aujourd'hui? One utterly sinful and unholy society. Péché après totalement dans cette société. That's where we are. C'est là nous. This is just a glimpse of the world. C'est ça, nous juste aperçu de ça monde là. In the past, we used to hear about these things, right? Dans le passé, nous entendions bagages. Maybe somewhere, I don't know. Find the world. Peut-être quelque part très très loin de ce monde. That we have no idea about. Nous pas comme même qu'on écoutait ça à côté saloyer. Now I'm talking about group of Haitian women. Et qu'on y en a parlé d'une groupe haïtienne. Being so sinful and shameless. Qui vivent dans un tel état de péché et puis sans honte encore. So that's the picture. C'est l'image qu'on a pour là. Yes. A society that is becoming more and more unholy. C'est une société qui a venu réellement de plus en plus pécheresse de la vie dans les ténèbres du péché. And then we see as well the acceptance of sexual perversion everywhere we turn, right? Et qui chante que accepter l'immoralité sexuelle tout côté passé. Sexual perversion. Il y a une perversion totale. Not just in the world, but even within what we call religious institutions, right? Non seulement dans ce monde, mais n'a même ouvert dans des institutions religieuses. That has been coming for a while now. Et nous, ouais, ça n'a pas avancé depuis slowly, but gradually. Et légèrement, mais qu'on y a avancé encore plus. So that's where we are. Écoutez, nous y est là qu'on y a. That's the picture of our world. C'est l'image de ce monde. We are getting closer and closer to the end times. On a avancé de plus en plus des temps. So here are some concluding thoughts. Et voilà, c'est quelques conclusions qu'on a passé à lire. So you wonder. You're asking, you know, what Paul is trying to describe in this passage. Et what did they do? Qui ça Paul a cherché à décrire pour nous là dans ce passage? Most of all, we look at the world. Et nous, on a regardé le monde pour de plus en plus. If you look at the world based on what I just told you, si vous regardez le monde ça, par exemple, ça m'a tout dit là, you are missing the point. Eh bien, vous mettez tout ça ou raté ça n'a pas dit. Hear what Paul has to say. Voici ce que Paul a eu à dire. The primary focus of Paul's teaching. Le premier point spécial que Paul voulait enseigner nous là. Is the church itself. C'est à l'église même la parler. Not the unbelieving world. Pas de ce monde qui pas croit du tout. Paul is telling us this thing will be coming inside the church. Et Paul a dit nous que ces choses là y a entré même dans l'église. Look at verse 5. Regardez verset 5 là pour vous. Paul says. After the list of description, right? Et Paul a dit comme ça après qu'il a toute description ça. Paul says having a form of godliness, ayant l'apparence de la piété. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? These people who are doing such things, a lot of them are coming from the church. Et ces choses là, moun sa yo cap commettre certaines les choses, y a sauté dans l'église même. So they appear to be godly. Oui, yo gap. They appear to have God's word. You pense que on a la parole bon Dieu. They appear to be righteous people. Yo apparence que des hommes droits justes. But they are not genuine believers. Mais ce sont pas des chrétiens d'acadio réel que yo yé. They are fake in a sense. C'est-à-dire que ce sont des faux. He said having a form of godliness, ayant l'apparence de la piété, but denying its power.
mais reniant ceux qui en fait la force. What does that mean? Ça veut dire. They claim to be God's people. Ça dit, ils disent que ils sont des peuples de Dieu. They claim to be believers. Ils pensent, ils disent que c'est chrétien que ils sont. But they are separated from God Himself. They have no relationship with God. Séparés de Dieu complètement. Ils n'ont aucune relation avec mon Dieu. It is just talk. But no action. C'est juste parole dans bouche, mais pas aucune action. It is just a facade. C'est une façade que lié. It is just an appearance. C'est une apparence que lié. To deceive you. Pour décevoir. And to deceive others. Pour décevoir les autres. But they are not true believers. Mais vraiment, ils ne sont pas des chrétiens réels. In fact, they are false teachers. En réalité, ce sont des chrétiens, des professeurs qui font des and promoting false teaching. Il y a réellement promoté la faute de mauvaise doctrine. That's what we see. C'est ça, voilà. So what Paul describes ça, Paul a décrit là, is how the world will invade the church in a sense. Ça, Paul a décrit là, c'est qui genre le monde a entré dans l'église même. That is very, okay, I would say, very sad. Et c'est un bagage qui est triste. It is very scary. C'est un bagage qui fait peur même. Because it's happening before our eyes. Parce que la privée qu'on y a là devant nous. How the world's sinfulness qui chante le péché du monde, le monde même dans will invade il a pénétré même the church of Jesus Christ. Dans l'église de Jésus Christ même. In a sense, Paul's teaching is a warning against false religion. Alors, en un sens, et ça, Paul a dit là, c'est un avertissement pour le monde religieux. Yes, and a warning against false religion. Et contre la fausse religion, tout. A warning against false spirituality. Une spiritualité qui fausse tout. Yes. What happened this week is a clear example of that. Et ce qui passé semaine ça, c'est un exemple clair de ce qui as of October 21st, 2020, et depuis octobre 21, 2020, the popes and the Catholic Church, le pape même et l'Église catholique, openly embrace homosexuality. Ils ont embrassé ouvertement l'homosexualité. This is an earth-shaking event. Et c'est un bagage qui réellement secoué toute la terre. Has never happened before. Pas jamais arrivé sur la terre. It is unprecedented. Ni pas jamais ouvert avant. There have been things happening, you know, in the Catholic Church. Oui, il y a eu des choses qui ont passé dans l'Église catholique. In hiding. Ils ont été passés en bas. But now it's openly accepted. Mais qu'on y a, ils ont accepté ouvertement. Relationship, sexual relationship between two men and two women. Yo, relation sexuelle entre deux hommes et deux femmes. So, it is clear. Now it is open. It is accepted. Et ouais, clairement qu'on y a là, yo accepté libre yo. So, that's the church itself now is promoting homosexuality. C'est-à-dire que ouais, l'Église qu'on y a qu'à promouvoir, qu'à faire promotion de l'homosexualité. Civil union. Une union civile. Between two people of the same sex. Entre deux personnes de même sexe, de même sexe. The Word of God calls that wickedness. Et bon Dieu relève l'impiété. The Word of God calls that sinful behavior. Bon Dieu relève l'attitude pécheresse. The Word of God calls that sexual perversion. Mais la parole de Dieu relève la perversion sexuelle. Go to Genesis and look and read about Sodom and Gomorrah. Et retournez en arrière dans Genèse pour regarder l'histoire de Genèse et Gomorrah. Go to Romans chapter 1. Regardez dans Romains chapitre 1. You will see God clearly condemn such behaviors. Oh, pourquoi qu'ils ont bon Dieu condamné clairement cette attitude de ce genre. This is not coming from the Word of God. Ça pas sorti dans la parole de Dieu. We call that spiritual deception. Nous relèvons ça la déception spirituelle. And we need to call it for what it is. Et pour nous relever exactement ça hier. No matter how you look at it. De quelque soit Jean Well lui-même. So, therefore, the need for the church to be aware of such things. C'est-à-dire que l'Église besoin connaît ces choses-là. Paul warns us about these things. Et Paul avertit nous de ces choses. It is no time to close our eyes. Pas un moment pour nous fermer les yeux. And pretend it is okay. Et prétendre que tout va bien. It is not right. Il n'est pas
droit li pa. It is not biblical. Li pa biblique. It is sinful. Li c'est péché que lié. For two people of the same sex. Deux mondes de même sexe. In a civil relationship. Pour y vivre ensemble dans une relation sexuelle. I have nothing against them. Bagan rien contre eux. I love them and I care about them. Et moi renmen yo et moi gen souci pour yo. I value them as any other person. Moi ba yo toute valeur yo comme n'importe quel monde. I do not look down on them. Bagade yo ba plus. They are people. Ce sont des monde que they deserve our respect. Yo besoin yo mande yo pour ba yo tout respect. Our love. Nous d'amour nous. Our appreciation. Tu appréciation nous. But we just reject the lifestyle. Mais nous rejeter le vieux genre de vie, style de vie. Because the word of God is clear. Parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Amen. Again, Paul's word is a clear warning to the church. Ah non, sa parole a dit c'est un réellement avertissement clair pour l'église. To be able to be discerning and wise. Pour être capable de discernement et pour une sagesse. Remember Jesus' word. Vous songez ça, Jésus te dit. You know how to discern the sign of time of heaven. Nous connaissons déjà pour discerner le signe de cieux. But you cannot discern the sign of the times. Mais nous connaissons nous pas capable discerner ça qui passé connaît là. So it is a time for leaders to stand firm. Et c'est un temps pour les leaders pour réellement camper ferme. Not to compromise the gospel. Pour pas faire compromis avec l'évangile. Because once you compromise the gospel, parce que lorsque tu compromis avec l'évangile, it has no value any longer. Il n'y a pas aucune valeur encore. It becomes void. Il est réellement nul. Because a compromise gospel, parce que un évangile qui est compromis là-dedans, has no power to save people. Parce que il pas aucune puissance qu'on a pour sauver personne. Once the gospel is compromised, pendant si l'évangile là il est compromis là-dedans, it lost its power. Et bien il perdit toute puissance. Paul in Romans chapter 1. Et Romains chapitre 1. I'm not ashamed of the gospel. Il dit que ça moi pas honte de l'évangile. For it is the power of God. Parce que c'est la puissance de Dieu. For the salvation. Pour le salut. Of whoever believes. C'est n'importe qui monde qui croit. So the gospel is the power of God. C'est-à-dire l'évangile là c'est la puissance de Dieu. So when the gospel is compromised, c'est-à-dire quand l'évangile là est compromis, it doesn't accomplish God's purpose any longer. Eh bien, il n'est pas capable d'accomplir aucun le plan de Dieu. For it lost its power. Parce que il perd toute puissance. So a church with a compromised gospel, c'est-à-dire une église qui gagne un compromis là-dedans de ce genre, is a powerless church. Eh bien, il n'est pas capable d'aucune puissance. That cannot save people. Eh bien, pas capable de sauver personne. That's for us leaders. Eh bien, c'est pour nous les leaders. It's also for the church, a warning for the church. Et c'est un avertissement pour l'église. To be watchful. Pour nous capables réellement suivre. Oh yes. You need to be watchful. Eh bien, pour nous capables alert. You need to protect yourself. Pour protéger tes tout. You need to protect your soul. Pour protéger ce... non. You need to protect your eternity. Pour protéger l'éternité. Listen to what Paul has to say. Tendez ça pour te dire. Again, verse 5. Verset 5. Paul says, having a form of godliness, but denying his power. And Paul says, talking to you, he says, have nothing to do with such people. Tendez bien ça, Paul a dit. Ayant l'apparence de la piété, mais réunissant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est Paul pour l'église. Tells you to get out. Et Paul a dit, retire-toi, sortis. Flee from these people. Retire-toi parmi ces gens-là. Because you are putting your soul in danger. Parce qu'on m'a mis des noms en danger. You are putting your family in danger. On m'a mis la famille en danger. Your eternity is in danger. On m'a mis l'éternité en danger. Flee from these people. Couille, loin de stay away from them. Restez loin because de eux. Because if you stay. Parce que si vous restez. You can destroy yourself. So that's your warning. C'est avertissement pour. And take it seriously. Mais prends sérieusement. No matter what people say, ça m'ont dit. It doesn't matter. Pas ça pas dit rien. Your soul comes first. Votre âme vient en premier. The salvation of your soul is your priority. Le salut de votre âme, c'est lui-même qui priorité Don't pour. Don't let people deceive you. Qui te monde décevoir. By false appearance. By une apparence qui fausse. False piety. Mais une piété qui fausse. But listen to God's word. Mais tendez sa parole, bon Dieu. And take your life seriously. Et prends la vie au sérieux, au sérieux. So that all of us God's people, we can get ready
for Christ's return. De façon que nous tout le peuple de Dieu pour nous capable prêt pour l'éternité. We are getting closer. Parce que nous avons de plus en plus près. And the church must get ready. Et l'église pour devenir plus prêt for the return of Christ. Préparer pour le retour de Christ. For the revelation of our Lord Jesus Christ. La révélation de Jésus-Christ notre Seigneur. The question is, are you ready? Et question même, est-ce qu'on est prêt? If you are part of these people. Et si vous faites partie de ces gens-là. That Paul just described. Que Paul a décrit là. You are not ready. Pas préparé. You are not ready. Ou pas préparé. And you might miss that opportunity. Et vous capable de rater cette opportunité. Therefore, we need to get ready. C'est peut-être ça faut so préparer. So God's word is clear. Et il a pas dit la parole de Dieu est claire. We are living the end times. N'a pu vivre dans les derniers jours. And the signs are being fulfilled in our own eyes. Les signes arrivent de plus en plus devant nos yeux. So be aware. Alors soyez attentifs. Be watchful. Et alors faites attention. And be ready. Préparez-vous. For the return. Pour le retour of our Lord de Jesus Seigneur, Christ. Seigneur Jésus Christ. God bless you. Que bon Dieu bénisse vous. Everyone several Sunday. Go back bon and review God's word for yourself. Et retournez à lire la parole de Dieu and même. Live and act accordingly. Et vivre et agir selon sa haute la parole de Dieu. Have a blessed Sunday. Que bon Dieu bénisse vous. Passez un bon dimanche. Thank you. Que bon Dieu bénisse. Amen. Pray for us, Minister. Dear Father in heaven, we thank you for your word. We thank you, Lord, for the way you're speaking to us so clearly. Father, protect your church. Protect our soul, oh Father. We pray, Father, that there would be men and women with our eyes wide open, being able to recognize the signs of the time. Father, not only being able to recognize the signs of, in heaven, but also recognizing the signs that what we are seeing in front of our eyes now. Lord, we pray that your people, Father, would be, encouraged to see what's going on and to see what you are saying in your word and, Lord, appropriate it for themselves. Father, we thank you. Lord, open our eyes more and more. And, Father, we may make the right decision in our lives, Lord, to follow you, to walk with you, to be expecting the return of our dear Lord Jesus Christ with open hearts. Father, with open mind, Lord, would not be caught up in the things of this world. And Father, knowing, Father, the false teachers, false doctrines are coming. Right. And Lord, that would just stay away from them. Stay away from what's going on, Father, in front of us in this world now. Father, that we embrace, Father, what the Bible has to say. We bless you. We pray, Father, there would be ones after listening to this message, Father, would make the decision in their lives, Father, to really turn to you and, Father, and reject, Father, what they are seeing that are so wrong in this world. Father, we commit ourselves to you. We praise you. We bless you. We adore you, Father, in the name of your dear beloved Son, the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you.